Le YouTube, c'est Manalwin. On se retrouve sur une découverte du jeu Jotun. Voilà. On va essayer de déplacer la caméra si elle nous gêne après. Donc voilà. Donc Jotun, c'est un petit jeu indépendant. Apparemment fort sympa. Et j'en sais pas plus que ça. Voilà. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Ok? C'est parti. Ta-da-da-da. Ah mince. Désolé, je vais replacer la caméra autre part. Je la déplacerai peut-être encore après. Voilà. Alors, faut lire l'histoire. Elle s'est noyée. Si je me trompe pas, c'est la mythologie nordique. Hein. Lisez l'histoire. Ok. Ok, elle a une hache quand même trois fois plus lourde que moi. Ok, donc. Donc on va jouer à la manette, hein, parce que ça, je pense que c'est le genre de jeu qui se joue bien à la manette. Donc. A. Donc ouais, c'est ça. Donc A pour les esquives. B pour les coups classiques. Oui, ouais, j'ai bien aimé Oyo. Et XY pour X pour les coups classiques, Y pour les coups durs. Voilà, on va voir après ce que ça donne. C'est des touches classiques. Ça a l'air sympa. Oh putain, là, oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Alors là, j'adore la DA. Ouais, c'est ça. Mythologie nordique. Yggdrasil. Vache, la taille de l'arbre au fond là. Pas mal, hein. Ça pousse pas dans tous les jardins, ça. Ok. Y'a rien là. Je sais pas trop. Ok. Là pour l'instant, voilà, on va découvrir le jeu. Ok, bon. Une grosse branche qui nous gêne, qui nous empêche de passer. Lisez l'histoire. Désolé pour le plagiat, mais mine de rien, je sais pas comment on peut le dire autrement. Pause pour voir la carte, mais on voit pas où on est. Ah, ça c'est pas mal. C'est concept. Alors donc ok, donc je crois que ces fleurs nous protègent du gaz des champignons. Ce qui paraît plutôt logique. Ça devait être un point de save. On va dire. Je vais voir si on loupe rien. Hein. Alors, donc là on se balade dans une belle forêt. Certes un peu squattée par des trucs bizarres. Bonjour. Mimi régénère ton esprit. Mais regarde pas comme ça. D'accord. En gros, voilà, ça c'est un puits magique hein, pour nous soigner. Ah non, d'accord. Donc en gros, il faut, d'accord. Donc on a activé une pierre comme ça tout à l'heure. Il faut en activer trois et ça va peut-être nous ouvrir ce qu'on a là. Donc une de chaque côté. On va essayer de voir. Essayer de voir ça. Ok.
calme. Ah ouais, non mais là on se fait agresse quoi. Y'a rien en plus vers là. Pourquoi je suis allé là? Au secours! Non, non! On n'a pas le temps. Là pour l'instant, vous avez plus de esquive parce que bon, les plantes, je pense pas que ça aura grand chose de se battre contre elles. Oh! Ah! Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire en haut. Donc là on a activé le deuxième truc. On n'en a plus qu'un. Peut-être qu'on va pouvoir le rejoindre par en haut en fait en passant. Ah, il est violent cet arbre quoi. Qu'est-ce qu'on lui a fait aussi? Niveau de la map, ouais on est... Ah oui d'accord, donc si on voit notre personnage en fait. Notre personnage c'est ce truc là. Voilà. Ça c'est la première pierre qu'on a activée, la deuxième pierre et là il y a la troisième pierre qu'on va rejoindre. Ok. Bonjour. Ok. La guérison divine m'est accordée. Gloire à Frigg, reine de Asgard, déesse des naissances et de la sagesse. Ah! D'accord, donc B pour il. Ça doit être pour heal parce que ouais j'ai je suis régène. Et alors il est où le truc? Ah ben non en fait c'est pas mon personnage, non c'était bien la tour là de Frigg là. Alors là mon perso du coup il... je dois aller vers là-bas. Presque plus aucun dégât. Et hop là, troisième pierre magique activée. Très bien, on va briser le sceau du tombeau. Aïe 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 aïe. Oh, ok, je prends cher. Ça fait bobo. Gérer ça. Aïe. J'ai pris pas mal, mais bon. Bon, je suis sorti. Ah, est-ce qu'on va régénérer un peu avant? D'abord, laisser le truc s'ouvrir. Ok, il y a un vieux qui veut se battre avec nous. Voir ce que ça donne. Lol. Ah. Ah. Tu prends des coups, tu grossis toi. Ok, ah ouais, du coup il a une portée de malade. Ok, bon, on se heal. Aïe! Ah ouais, la vache, non, c'est pas que la portée qui gagne en fait. C'est chaud ça. C'était Jess là. Ah ouais, bah ouais, du coup, je suis trop court quoi. Ça va être chaud ça, ça va être chaud. Hop. Faire pop son attaque. Le taper. Fait pop son attaque. Ok. Ouais, faut lui passer entre les jambes. Allez, on l'a presque. Nice! C'est ça. Victoire. C'est pas simple ce jeu. Ça va être intéressant.
Bonjour encore. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On a obtenu un sigle, une rune, la rune, une rune de Gera. Jotun de la forêt qui en semble. On est dans le néant, Ginnungagap. D'accord, on va devoir trouver des runes, je pense. Ah ouais, c'est un peu comme un... Ouais, ça va être un peu le même principe que... Qu'un... Ah. Shadow of the Colossus, en gros, ça va être un peu le même style que Shadow of the Colossus. On va devoir se balader, trouver juste le méga boss, le battre et se rebarrer. Je pense que ça va être un peu du même genre, quoi. Enfin, je sais pas, bon, c'est quand même pas la même DA ni quoi que ce soit, mais bon. Alors, on se régène. On va faire une petite session de 30 minutes et puis on va arrêter, voilà. On y jouera dans d'autres lives. Voilà, là c'est juste un petit live découverte. Mais après, bon, je vais vous laisser manger, hein. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, y a pas de map. La map? Genre l'erreur. Tu sais, c'est faut pas taper l'œil. Ok. Ah. Ah ouais. Ah mince. Ceci est un Jotun, je suppose. Ok, comprendre. Comment il fonctionne? Il tape. Waha. Ok. Alors quand il tape, d'accord. C'est genre bien. Ah ok, et c'est le beat qu'il faut taper. Ça va être long ça. On se casse. Ah! Ok, la portée du coup, quoi. Ouais, faut se poser par rapport à l'ombre. Mais même l'ombre, c'est chaud de l'estimer, quoi. Ok, donc là, faut déjà que je bouge. Ah, mais ouais, mais. Faut déjà que je bouge, mais pas trop vite. Oh la vache. Les dieux ne sont pas impressionnés. Ça va être chaud, quoi. Ça va être vachement chaud à jouer. Ok. Bon, va falloir essayer de choper. Là, en fait, faut attendre ce coup-là et ensuite faut se décaler. Ouais, parce qu'il y a une zone où on se fait taper dans tous les cas, en fait. C'est ça le problème, quoi. Pas évident. Là. Nice. Ouais, faut juste avoir la perfect zone en fait. Ha ha. Ah, il est en train de me gazer, ok. Y'a que la fleur qui peut me sauver ou quoi? Ah non, faut que je tape la fleur. Ah non, ben non, c'est les fleurs là-bas qui me sonnent, qui me sauvent. Ok. On se décale. Mais à l'abri. Ah, se healer un peu parce que c'est chaud. Putain, ça va être chaud à choper le truc. Ah, là ils en sortent. Oh, le pop des ads là. Allez, faut aller taper. Ah! Ceci est un autre problème. Bon, alors est-ce qu'on va l'avoir? Ça a l'air d'être bien parti. Je pense que je tiens à peu près le bon bout. Ah, mais alors là, par contre, on peut pas esquiver. Oh là! Oh si, je l'ai esquivé! Oh, ah! Nice.
je suis déjà au bon endroit. Aïe aïe, oh non. Ah oh, les ads qui m'ont fait louper mon coup quoi. Ah non, je l'ai quand même mis je crois. On se soigne, on se soigne. Ok, on revient, on revient, on revient, on revient. Aïe aïe. Laissez-moi revenir jusqu'à la plante. Ah, c'est trop tard quoi. Tant que je revienne à la plante, c'était déjà fini quoi. Ah c'est chaud ça. Oh la vache, ouais, il faut que je coupe les trucs sur le côté quoi. Genre comme ça. Arrête toi. Non 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 non. Voilà voilà c'est ça. Allez on l'achève. Down. Nice. Là c'est une plante qui va nous buter. Range les, range tes racines. Voilà. Trop bon. Et on l'a eu. Nickel. Pouh, c'était pas forcément évident. La vache. C'est pas facile ce jeu quoi. La vache. Là je suis choqué là. Mais au moins c'est intéressant là. Excusez-moi. Ah la vache. Easy soir. Faðir minn var höfðingi þorpsins. Ásamt bróður mínum og áhöfn þeirra sigldi hann höfin á stærðarinnar langskipi og ávann sér bæði ríkidæmi og vaxand. Mér var kennt að berjast á unga aldri. Viska móður minnar, hugrekki föður míns og sögurnar á goðunum veittu mér innblástur til að verða hinn fullkomni bardagamaður. Þegar ég hafði aldur til, gaf faðir minnir, mína ástkæru exi og hleyfti mér borð í langskip sitt. Je pense qu'il y a plusieurs maps à faire comme ça, voilà, c'est à chaque fois des jotuns à aller abattre dans différentes zones. On va se balader, hein. Ouais. Ouais, c'est par où? Par là. Non? Ah mais non, c'est des petites pierres volantes. D'accord, et qu'est-ce que je dois faire donc? Je sais pas, ils me disent que je peux aller vers là. Ah non. C'était ça. D'accord. Bon, on va aller toujours à droite. Hein. Ah mais non, j'ai déjà utilisé mes deux heals. Mauvaise touche. Bon, ça se lance pas forcément bien ça. Ok, là y a rien. En tout cas, c'est beau ce jeu. Franchement, il est beau. J'aime beaucoup la DA. Ouais, je crois que j'ai froid. Au secours! Vache! Tempête de neige, ça nous décède. Il m'a eu midlife le truc. D'accord, faut se protéger sous ces trucs quand il y a une tempête qui arrive, quoi. Faut le prévoir, quoi. Ah oh, là c'est costaud quand même. Ouais j'essaye d'aller tout en haut hein. Si je me trompe pas, je crois que c'est tout en haut que j'essaye d'aller.
violent, il est en train d'exploser mon sang le truc. J'espère que ça vous dérange pas trop là, franchement, parce que c'est costaud quoi. J'espère qu'on va trouver un autre pouvoir, un truc du genre. Ah, moi j'attends la prochaine tempête, hein, je suis cool. On va pas se stresser, hein. Sans pression, parce que là, je sens que ça va arriver en plein milieu d'une balade et ça va encore être joyeux quoi. Je sais pas ce que c'est ces petits dragons rouges là en fait qui sont dessinés. C'est des têtes de. C'est des. On dirait des proues de Drakkar. Bon, même si ça n'a pas trop la forme d'une proue, mais on dirait quand même le style d'une proue de Drakkar. Je sais pas à quoi cela peut bien servir. Ta-da-ta-ta-da-ta. File-moi un nouveau pouvoir, c'est ça. Nice. J'ai régénéré mon ancien pouvoir. C'est cool ça. D'accord, du coup quand j'ai le bonus, je peux rush. Et comment on change... D'accord, on change de bonus avec LT. Je vais me heal du coup. Et je vais boost ça, c'est si j'ai besoin de me protéger de la tempête. Sans doute bientôt arriver. On va finir cette map et on arrêtera. Non, pas de tempête? Ah, si. Ok, ok. C'est violent, quoi. Du coup, où est-ce qu'on pourrait aller? On est sur cette zone. Je pense qu'on est au plein milieu. On va essayer d'aller au... L'espèce de rune là-haut. C'est pas bon habiter là-bas. Moi je dis. Voilà, je rush sans peur ni... Voilà, nickel. Très bien. Deuxième rune. On y arrive. Ça, c'est cool. Enfin, c'est cool, mais du coup, on va sûrement devoir affronter un Jotun. Bah, vu qu'il n'y a rien d'autre apparemment sur la map, on va retourner au Ginnungagap. Voilà, donc là vous voyez, ouais c'est ça. Donc là ils m'ont marqué de, donc de ce côté-là, là de Frigg, j'ai eu donc c'est ouais j'ai exploré toute cette map déjà. Ça, voilà, c'est marqué. Et de ce côté-là, voilà, ils me disent en gros que j'ai fait ça et ça et que maintenant il y a cette rune-là qui m'attend que je peux potentiellement faire. Ok, ok, c'est marrant ça. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte. Moi, ce jeu, clairement, me plaît. Donc, je vais continuer à y jouer en live, bien sûr. Et je posterai ensuite le live en VOD sur YouTube. N'hésitez pas à suivre Twitch, Twitter pour les nouvelles du live et YouTube si vous voulez voir les VOD. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des choses à dire. Voilà. Allez. Ciao YouTube.